Donc on va dire rebonjour YouTube parce que encore une fois j'avais oublié de commencer l'enregistrement. Donc on revient pour la chasse au sanglier. Il y a des vases. Il y a des vases. Mon dieu, j'ai oublié les vases. Il y a des vases. Oh, il y a des vases. Et ben. Ah, il y a 16 de pognon dedans. Pas sûr que ça soit très worth. Ah, une caisse aussi. Oh bah tiens. Et un petit coffre. À l'intérieur du virage contre la montagne. Ah. Ah. Oh. Là-haut. Allez, va ce point. On monte là. Oh, on monte. En fait, on peut revenir en arrière à chaque fois. C'est assez marrant. Non, je pense pas qu'il y ait autre chose ici. Non, j'ai rien oublié. Non, ici, il y avait que de la santé, d'accord. Eh, mais du coup, j'ai trouvé un coffre en plus. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Bon, avec du pognon, mais c'est déjà pas mal. Je vous rappelle qu'on est en train de chasser le sanglier. Hein. On prend notre temps. Prends notre temps, on découvre, on voit s'il n'y a pas quelque chose de caché. Un petit peu comme ce coffre là. Voilà. Oh. Par là peut-être. Eh ben oui, il y a quelque chose de caché. Un masque. Oh, 6 sur 9. Eh ben on a presque terminé les masques de la peur. Enfin, les visages de la peur. Bon alors quand c'est que ça se relève là, parce que c'est trop bizarre que ça se relève pas. Ah oui mais non, toi ça sert à rien de... Allez Atreus, tire dessus. Allez, voilà, merci, au revoir. Alors je me demande si le... La compression marche vraiment bien en fait. J'espère que oui. J'espère qu'on continue à m'entendre pendant les scènes de fight. Ah. Oh, il y a des trucs là. Comment on y va? Par là. Eh bah oui, il y a des choses. Alors, déjà ça. Je vois pas mon pointeur. Ok, ici. Hein? Des sous, des sous. Un coffre. Avec encore des sous. Et rien d'autre, je pense. Non, rien d'autre. Ok, allons-y. Pas par là. Par là. Voilà. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. Sérieusement? Le sanglier s'est faufilé sous le pilier. T'es sérieux là? C'est une blague. Il est passé à côté plutôt, tu veux dire. D'accord. Donc je viens de déplacer un pilier de 2 tonnes. Ça a fait un bruit d'enfer. Mais le sanglier est toujours là, calme. C'est bien. J'aime beaucoup les jeux réalistes. J'adore. Enfin, réaliste. Ah. Ne le perds pas de vue. Et ben voilà. Quand le jeu me demande pas de tirer la flèche, c'est bon. Eh, a perdu le couteau Atreus, c'est pas bien. Ah, et moi j'ai perdu Atreus. Ça c'est fun. Atreus. Atreus. Oh, et du brouillard. Oh bah tiens. Atreus. Oh, sérieusement. Ça me fait penser à Heavy Rain. Où es-tu? Jason. Ah. Ah, et musique Ah, c'était par là. Je l'ai trouvé. Alors il y a un truc là, il y a un truc là, on va aller là. J'ai envie. Est-ce qu'il y a quelque chose par là? Oui, il y a une caisse. Il y a rien dans la caisse, c'est pas drôle.
Atreus. Ah, je l'ai entendu à droite. Donc on va à gauche. Ok. Bon, ça se veut un labyrinthe un peu oppressant avec la musique, le brouillard, mais bon. Rien de trop méchant encore. Attends-moi, Atreus. Ah, oui, c'est ça, je l'ai entendu à gauche. Jusque là tout va bien. Atreus. Ah, et là il répond plus. Alors du coup je sais pas quel est le bon côté pour aller tout visiter. Bon, on va aller à droite. On va aller à droite, on va voir ce qu'il y a. Alors visiblement il n'y a rien. Bon, le jeu m'a quand même balancé Atreus qui m'a parlé juste pour me remettre sur le droit chemin, hein. C'est assez drôle. Atreus. Ah, et là ça court, ok d'accord. Il court tout seul, tout va bien. On savait pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, il veut le tuer. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. À la main? Sérieusement? Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Ah, le jeu me demande quelque chose. Le côté droit maintenant. Tenez-le. Ah. Attrapez l'extrémité gauche de l'artère. Tenez-la. Ah putain. Le côté droit maintenant. Bon allez, on va le faire. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Je te fais un truc là? Non. Une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Je vais porter un sanglier. Allez go. C'est il parti. Ne faut pas qu'il meure. Le sanglier est tellement important. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Oh mon dieu, j'avais pas vu la tronche du sanglier quoi. Oh là là. Ok. Ah, il est fatigué le sanglier. Hein. Je peux pas aller plus vite. Non. Ok. Donc. Arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Ça elle me permet de regarder un petit peu. Je t'ai jamais vu dans ses bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolé. Ah, moi, c'est la course-poursuite dans le brouillard en gueulant Atreus qui m'a un peu sorti du jeu, j'avoue. Ça m'a fait penser à Heavy Rain. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! Salut. Qu'est-ce que tu es, toi? En effet, je suis surchargé. Je suis capable d'enfoncer un mec dans une montagne, mais je peux pas marcher plus vite avec un porc dans les bras, quoi. Bref. C'est l'Adamant Kellon de FF15, voilà. En fait, on l'a trouvé, il est là. Salut. J'ai pas confiance quand même. Hein. Et il a une maison à la place du... Enfin, en dessous du bide. Non, mais cochon, laisse-moi avancer, quoi, s'il te plaît. Posez-le sur ce symbole. Ah oui, là le jeu avance tout seul.
C'est vrai, c'est compliqué de voir la différence entre le moment où le jeu avance tout seul et le moment où c'est bon. Vous vivez seul ? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Toi, c'est vrai. Tenez-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Mon père aussi est un asocial. Vous iriez bien ensemble. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied ? Quoi d'autre ? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Ah, elle nous a percé à jour. C'est rien, pas vrai ? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas. Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. C'est déjà fait. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. Putain, Kratos qui va cueillir des fleurs, quoi. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Elle est belle, cette maison, quand même. Hein. Ils se sont fait chier sur les détails. Vraiment joli. Vraiment, vraiment joli. Là, par contre, c'est bizarre la couleur que ça a. Ouais. La cardamine. Oui, ça va, c'est bon. Il faut faire vite. Oh, ça va, je... Laisse-moi tranquille. Laisse-moi apprécier. Je regarde un petit peu ce qui est autour de moi, quand même. J'apprécie, c'est très beau. C'est vrai que c'est joli. Bon, y a pas moyen de lui piquer un truc ou quoi ? Non. Je suis obligé d'aller prendre de la cardamine. Alors, fleur blanche, par là, c'est des fleurs blanches. Voilà. Pouf, dans la poche. C'est bon. Y a rien d'autre à faire ici. Ce rocher est bizarre. Je peux pas sortir la hache, ok d'accord. Je voulais envoyer un coup de hache dedans pour voir ce que ça donnait, mais non. Je ne peux pas. Alors. Atreus. Atreus! Où es-tu? Mon garçon, t'es là-bas. Tu peux m'aider? J'arrive pas à l'arracher. T'es sérieux? Ok. Allez. Avec ça peut-être. Ah, c'est pour ça qu'il n'y arrivait pas. Il fait tomber. Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Si je l'avais perdu. Tu l'as déjà perdu. Tu feras plus attention, c'est promis. Ok. Ah, c'est vrai, t'as raison, on se croirait un peu chez les elfes, hein. J'avoue. Ça fait très. Très beau elf, mais c'est. C'est quand même étrange, parce que c'est vraiment une toute petite enclave en fait qui a ces couleurs-là. Après, sinon, c'est assez terne. C'est un peu étrange. Pardon. C'est exactement ce qu'il me faut.
Ah bah moi quand je mélange deux plantes dans un bol, ça fait pas des étincelles comme ça. Il va pas mourir. Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. J'aimerais te remercier d'avoir failli tuer mon animal préféré. Tu veux être tranquille? Cette marque te dissimulera aux yeux de... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Loïna. Loïna. Aime-le. Il y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Oula, suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Waouh, Kratos qui a eu une discussion plutôt civilisée, quoi. Le chemin de la montagne. Prenez le bateau. Suivez le marqueur de la boussole. Serre-t'en pour t'orienter et trouver ton chemin. Elle pointera toujours vers ton objectif. D'accord. J'ai une boussole. Oh. Mais c'est Skyrim. En fait, c'est Skyrim. D'accord. Ok. Je vois le bateau. Oula, mais c'est énorme en fait ici. Ça, j'ai pas confiance. Hein. Prépare-toi. Bon, toi, je vais continuer à t'en mettre plein la tronche. Hein. Ah, il a esquivé. Alors, où est-ce qu'il est? Je l'ai quasiment tué. Ouah, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais... ok. Mais non, mais... ok. Des cauchemars. Maman me parlait d'eux. Je pensais pas qu'ils existaient vraiment. Des cauchemars. Oui. Eh ben, ils m'ont fracassé les cauchemars. À moins que ce soit eux les cauchemars. Ah bah tu m'étonnes. Si seulement je pouvais lui demander. Ok. Là on a des trucs. Allons voir. Non mais ça va, suis un peu. Si. Ça a pas l'air lourd pourtant. Ok, on va voir. Et si je fais ça? Oh, et ben voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné? Un acier doux. Ok. Boum! Allez, la caisse, il y a quelque chose? Non, que dalle. C'est pas trop lourd. Ouais, le mec. Ouais, bon, d'accord, ok. C'est quand même un putain de bourrin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui nous manque là?
Là, en l'occurrence... Oh. Je peux descendre là dans l'eau? Non. Je peux pas. Oh. Eh ben, mais putain, il y a des coffres partout ici, en fait. Ok. Ok. Bon, il va falloir se démerder pour revenir ici avec le bateau. Alors... Ok, ça c'est quoi? Ok, bon ça, ça a l'air d'être une porte... Une devine... Je vois pas trop d'autres... Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut descendre là? Non... Ah, le bateau est là-bas, d'accord, ok, j'ai vu. Bon, on va y aller. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, bon, c'était un machin cassé. Coffre. Vas-y. Talisman de vitalité concentrée. Octroie un regain de santé. Oh. Ah bah oui, complètement. D'accord. Ah bah tiens, est-ce que j'ai des trucs à mettre? Non, toujours pas. Ok, donc du coup j'ai un regain de vie en faisant L1 rond. Okay. Celui-là, il va falloir que je m'en souvienne. Hein. Ah mais j'ai L1, R1, R2 ou rond. D'accord, ok. Mon dieu, il va falloir que je me souvienne des attaques. Okay. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a par là? Pas grand chose. De l'autre côté, il n'y a rien. Bateau. Putain, mais il y a encore un coffre là. Mais comment on y va? Sérieusement. On atteindra la montagne bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Je il n'y a pas si longtemps, pas. Je pensais que je quitterais jamais nos bois. Ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. Alors, on va essayer de retrouver là où on était. Est-ce que c'est seulement possible? Je suis pas sûr. Hein. Ok, d'accord. Non. Pas par là. Par là, peut-être? Ok, j'ai l'impression qu'il va falloir revenir, mais plus tard. Parce que même là... Ah non, même là, c'est bouché, je peux pas y aller. Ok, bon, bah faudra revenir plus tard. D'accord. D'accord, d'accord. Oui, on suit le marqueur de la boussole, merci. Merci, merci. Suivons le marqueur de la boussole. Alors... On est tellement proche. On arrive dans la mer. Comment oui. Tu le sais? À l'odeur. La mer sent comme ça. À l'odeur. Alors elle pue. Merci Atreus. C'était une bonne réflexion ça. Regarde ça. C'est Thor. Dieu du tonnerre. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Un dieu As. Fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question? Ok, donc le jeu il veut que j'aille là-bas. Est-ce que j'explore un peu? Putain, ça m'a l'air énorme en fait. Je vais peut-être pas explorer de suite, on va aller à la lumière là parce que hein, je sens que je vais me paumer sinon. Et oui, en effet, je pourrais certainement revenir lorsque Kratos aura appris à nager. En effet. Peut-être, un jour, on sait pas. Il y a des runes sur sa poitrine. Hop là, on se calme. Pas les déchiffrer ici. Oui, 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 je vais te rapprocher, calme-toi. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu lis?
Parce que Kratos ne sait pas lire non plus. C'est ça qui est beau. Des armes aux profondeurs de l'eau tirent de son sommeil le berceau du monde. On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? Oui, non, mais d'accord, mais peut-être pas aussi loin. La hache n'est pas revenue. Ah. Je perds sérieusement ma hache? Non. Oh, salut toi. Un peu violent. Qu'est-ce que quoi? Bonjour. T'es sérieux là? Imprégné d'Aïti. Ben c'est là que je suis content d'avoir mis un compresseur dans le son parce que mon dieu. C'est quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois. Il y a un foutu oiseau aussi. Regarde, ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Est-ce que tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein. Il y a même un quai là, à côté du drapeau. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il... Alors, nous venons de réveiller le serpent monde de Midgar. Père a cru qu'il voulait nous manger, mais merde m'a toujours dit que Jormungand, Gandre, était un géant, un gentil géant. Il a essayé de nous dire quelque chose, mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'il parle le langage des géants? Maintenant, il n'a pas l'air de s'intéresser à nous. J'aimerais tellement lui parler, j'ai des tas de questions à lui poser. D'où vient-il? Que fait-il? Que mange-t-il? Nous pouvons peut-être trouver un autre moyen de communiquer. Intéressant. Intéressant, intéressant. Il mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'apparaît plutôt grand. Oui, j'avoue qu'il a l'air plutôt grand, oui, en effet. Combien de temps? Depuis très longtemps. Alors fight. Ça fait longtemps qu'on s'est pas battu là. Le jeu avance tout seul, d'accord. Ça fait longtemps qu'on s'est pas battu. C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze barbu et son avorton? Quoi? J'ai justement quelque chose pour vous. Brock? Mais qui? Mais... comment as-tu... Mets-toi de tes oignons et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. J'ai pas la peine exactement de la même réaction qu'Atreus, quoi, c'est assez drôle. D'accord. Mais qu'est-ce que... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut d'après toi? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Atelier de Brock, d'accord. Parlons à Brock. Toujours au pas de course comme ça. Et qui se met... Je peux? Ah non, je peux pas. Le jeu refuse de lui lancer la hache dans la tronche.
C'est dommage. Attrapé. Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'arbre monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici. Oh, et très important, ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. Bah, pour la curiosité. Qu'est-ce qu'il vous faut cette fois? Alors, les talissons, les pommes et les enchantements sont désormais disponibles dans les ateliers. Alors, comme le reste de l'équipement, les pièces d'armure peuvent être améliorées dans les ateliers. Appuyez sur le machin pour sélectionner le menu des améliorations. D'accord. Okay. Améliorer une pièce d'armure augmente ses stats. Son niveau de puissance permet d'ajouter des emplacements d'enchantement. D'accord. Ouais, d'accord. Les talismans sont des effets uniques qui peuvent vous aider au combat. Vous pouvez les améliorer dans l'atelier pour accroître leur efficacité et accélérer la récupération de certaines capacités. Octroie un regain de santé et il faut de la poussière de royaume. Ouais, ok. Ah. Réduire le temps de rechargement. Ah bah oui, ça je dis oui. Et ensuite, ça coûte la peau du cul, d'accord. Qu'est-ce que tu veux, petit gars? Arc serre acier massif de Svartal Fame. La hache, il faut une flamme de glace. Ok, acheter enchantement. Enchantement qui améliore la vitalité de 3. La récupération de 3. Les runes de 3. La chance de 5. Bah, on va tout acheter, hein. Ça coûte que nous, c'est pas non plus énorme. Oh, la tête de ce Kratos en fond, enfin, c'est juste génial. J'adore. Alors, on a tout acheté là. Oh, oh. Ah, j'aurais peut-être pas dû acheter les trucs direct. Talisman. Talisman de protection inébranlable. Talisman de puissance inébranlable. Bref, bonus de force quand la santé de Kratos atteint le niveau critique. D'accord. Octroie une barrière d'invisibilité pendant plusieurs secondes quand la santé de Kratos atteint le niveau critique. Ah. D'accord. Pommeau de lâche. Vous pouvez doter vos armes de pommeau. Chaque pommeau augmente vos stats et confère des atouts uniques en fonction de vos actions au combat. Vous pouvez améliorer les pommeaux pour en augmenter leurs stats. D'accord. Manche de récupération. Forte chance d'obtenir un atout grâce de récupération à chaque lancer de précision réussi. Donc ça, c'est les lancers dans la tête, je crois. Lancer de précision. Je gagne de la récupération. D'accord. Récupération de l'ST. À chaque coup de fendoir. C'est quoi le coup de fendoir? Je crois que c'est le R2. Roche runique. Faible chance d'obtenir un atout grâce runique. À chaque lancer de précision. Un atout de don force. À chaque coup de fendoir. Okay. Du coup. Ah oui, les pommeaux sont très jolis en plus. J'avais pas vu. Sont très jolis. Ça m'augmente de 3 la force, de 2 la récup, de 1 la force, de 6 les runes, de 3 et la force et 3 la chance. Et le premier c'est quoi? 1 la force, 4 la récup. Protection de la taille. Ok, donc faut de l'argent aussi. Ah mais d'accord, non. Du coup, en fait, ouais, j'ai rien trouvé de mieux que ce que je porte à l'heure actuelle. Il y a plus de défense, mais moins de force. Okay. Là, je fabrique.
Protection des ombres. Ouais, là c'est pareil. Je pense qu'il va falloir que j'avance un petit peu dans le jeu pour avoir quelque chose de plus sympa. Donc, on va acheter un pommeau. Celui qui augmente 3 la force et 2 la récup. Voilà, on va prendre celui-là. Ok. Mange de récupération lestée. D'accord. Et donc là, pommeau de hache. On peut l'améliorer. On peut l'améliorer pour des stats supplémentaires. Ok. Donc là, si je veux l'améliorer encore, il me faut quoi? Fragment d'écailles de serpent monstre. D'accord. Quoi? C'est-à-dire qu'on va tuer. On va taper le serpent monstre? C'est ouf. Ok. Défense, vitalité ou force et défense. Je sais pas. Ah, j'ai le talisman de vitalité concentré déjà. Ok, d'accord. Je peux de la pousser. Ah oui, bah oui, je l'avais. Bonne chance. Ok. Bon. On va améliorer un petit peu. Ok. Ça donne quoi? Oh! Accès mystique, atelier de Brock. D'accord, en fait, on a fait tout ce chemin là. Là, on est venu là. Okay. C'est quoi ça? Hein, c'est intéressant. Mais la montagne, c'est là. Hein. Ça a l'air d'être là qu'il faut aller pour déposer les cendres. On va voir. Allez. Sur ce, après la découverte de l'atelier, on va faire une petite pause. Allez, 5 minutes encore pour refroidir pour moi. Et je vous dis à tout de suite YouTube.